Alors Alain, c'est toi qui gères le parc, c'est ça? Tu peux me dire là comment les bois sont stockés là, puis qu'est-ce qu'il y a là devant nous, un Bon, ils petit sont peu? stockés pour être séchés après. Il y a de l'épicéa, du Douglas, là-bas au fond. Donc là-bas, les bois qui sont plus rouges, c'est du Douglas, hein, c'est Oui, ça ce que c'est tu ça, m'avais oui. dit? C'est ça, oui. On est mal à l'abri parce que l'hiver, la neige, donc quand c'est mouillé, ça ne va pas pour tracer les bois. Et ils sont écorcés, ces Oui, arbres-là. ils sont coupés à la sève et écorcés à la... ils sont écorcés à la main. Donc ils sont écorcés dans la Dans la forêt forêt, et ils arrivent ici écorcés. voilà. D'accord. Et ils arrivent en longueur comme ça, Ils tout. arrivent de long, puis après, moi, je les sur le parc, là, je les herbille, je les D'accord. trie quand ils arrivent. Ok. Donc là, ceux qui sont juste derrière toi, c'est des épicéas, hein, C'est c'est ça là. l'épicéa, oui. Ceux qui ont les points blancs, c'est l'épicéa. Donc c'est des arbres qui viennent d'ici, ça. De Longchaumois, oui. Donc c'est une forêt qui est pas C'est loin d'ici. à 30 km d'ici, oui. D'accord. Alors que les Douglas, là-bas, ce n'est pas des boîtes qui viennent d'ici, là. Non, ça vient du Beaujolais ou du Morvan. Mais ici, il n'y en a pas de Douglas, non. D'accord. Ok. Et là, je vois qu'il y a des plus petites C'est pour le diamètres. mobilier et pour les rambardes, ça. D'accord. C'est des épicéas C'est aussi? l'épicéa, oui. Alors je te regarde faire là, depuis tout à l'heure. Ouais. Ça t'intrigue. On a deux bois là qui vont s'emboîter l'un dans l'autre. Et pour ce faire, on va régler un compas ici avec une certaine distance, une certaine ouverture, on va dire, et pour permettre à ce bois-là de toucher celui-là. Donc, Ah, ça va, ils vont s'emboîter parfaitement s'emboîter alors. parfaitement, on met la cote qu'on veut, hein. Celui-là, si on veut qu'il descende le plus possible dans celui-là, D'accord. il va s'emboîter plus bas. C'est toi qui décides Voilà, je de la décide. largeur là de... Exactement, on veut avoir ça s'appelle la latérale, la partie qui sera en contact, ça Ouais. s'appelle la latérale, donc il faudra qu'elle ait à peu près 10 cm. Ça nous permet de mettre un joint ou de la laine pour isoler encore mieux. Le compas, on va dire, il a une pointe sèche, ça s'appelle. Ouais. C'est la partie qui va suivre le bois du dessous. Et la partie avec la pointe, le feutre. On peut mettre un crayon, on peut mettre n'importe quoi ici. C'est fixé. Et puis ça trace le bois du dessus. Ce qui permet d'avoir tout le tracé Donc pour mettre c'est celui-là. ouais ton fameux trait là que tu vas suivre quand tu vas tailler toi. Voilà. Et donc il y a des réglages, hein, pour le serrer. Et puis ici, on a le réglage des bulles qui se fait ici aussi avec plusieurs molettes, les deux molettes, pour la bulle là et la bulle là. Et donc quand je règle bien, ben, normalement les bulles sont. Donc toi tu suis les bulles. regarde toujours les bulles, plus ou moins. Mais après, avec l'habitude, on sait à peu Ouais. près comment on a Ouais. penché le compas.
Alors Jacques, tu peux me dire quel est le type d'arbre là que tu travailles là en ce moment ? Alors sur cette maison, on a mis du Douglas. D'accord. Donc, c'est un pin. C'est des arbres qui sont du Haut-Jura, ça ou... Non, ils ne poussent pas ici. On pourrait peut-être faire des plantations, mais en fait, c'est un arbre de plantation qui pousse dans différentes régions de France. Et celui-là, il vient du Beaujolais. C'est un bois qui est plus rouge que l'épicéa, ça. Voilà, c'est un bois. Oui, c'est un bois qui est un peu différent. Il a plus de d'aubier. Donc c'est la partie blanche là, mais c'est un bois qui est a priori plus résistant dans les régions un peu humides, donc on l'utilise plutôt en plaine. D'accord. En montagne, on pourra prendre de l'épicéa, mais en plaine, c'est vrai. Et toi, tu vois une différence à travailler entre ce bois-là et l'épicéa ? C'est, ah oui, carrément. Ouais. C'est plus dur, plus mou ? Il est plus dur. D'accord. Oui, il a la veine est moins serrée parce qu'il pousse plus vite, mais il a plus de silice ou de minéraux. Et donc, ça désaffûte les chaînes de tronçonneuse. Donc là, tu es en train de monter, de tailler les fustes et de monter un chalet, ouais, qui est destiné à aller où, celui-là ? Alors, celui-là, il va en Meurthe-et-Moselle, vers Nancy. D'accord. Et puis là, il y a la particularité d'être sur pilotis, parce qu'il sera posé sur un étang. D'accord. Donc là, tu tailles, tu montes dans l'atelier, là. Oui. Après, il se passe quoi une fois qu'il est fini de monter, quoi ? Donc, une fois fini de monter, on va le laver, s'il y a besoin, en fonction du client. On va lui mettre des numéros ici, en bout, comme on fait en forêt aussi, pour les arbres. On met des plaquettes forestières, quoi, et des numéros. Et puis, on démonte bois par bois. On remet sur un gros camion qui part... Pour le montage avec une grue. Et tu remontes le truc là-bas. Voilà, on remonte comme c'est ici. D'accord. On rajoute des gaines électriques s'il faut. Enfin, ouais. Et là, il fait quelle surface ce chalet que tu es en train de faire là ? Il fait pile poil exactement 8 mètres par 8 mètres. D'accord. Il y aura un étage, un petit étage. D'accord. Et toute une passerelle, enfin une terrasse qui fait un peu. Terrasse au-dessus de l'eau, tout autour. Et il te faut combien de temps pour faire un chalet comme ça ? Alors, si on bosse à, on va dire, si on travaille à 3 personnes pour faire celui-là, que la partie bois, donc au barreau, pas le toit, hein, mais il faudrait à peu près 5-6 semaines. Quoi. D'accord. Et pour le monter là-bas, pareil, non ? C'est plus rapide, j'imagine. Oui, c'est beaucoup plus rapide. Donc les bois sont repris un par un, mais ça va très vite, hein, avec la grue. Ça met, pour celui-là, il faut 3-4 jours. D'accord. Donc là, si je comprends bien, toi, tu es fustier, tu fais les murs, quoi, avec ces bois ronds, voilà. Ces arbres entiers, quoi, carrément, tu tailles pour les qui s'emboîtent les uns dans les autres. Et il y a des collègues qui vont s'occuper des fenêtres et de la charpente, c'est ça ? Oui, donc pour les fenêtres, on a une équipe qui est un peu spécialisée, parce que c'est vrai qu'il y a... C'est particulier, hein, vu que les formes sont rondes, il faut tout adapter, les menuiseries en fonction. Et puis il y a du tassement. Le tassement, c'est que le rondin ici, quand il va sécher, la maison elle va descendre. Donc lui, il va se retrouver à peu près à cette hauteur. Ah, il va descendre de près... 10 cm au moins, quoi. Sur un mètre, on va perdre 8 cm. Donc, ah, d'accord. Mètre, on va arriver là. Ah ouais, donc la maison, elle descend bien, quoi. La maison descend bien, oui. Sur plusieurs années. Ah, il faut que les fenêtres descendent aussi, alors. Voilà. Donc c'est toutes des histoires de coulissement. D'accord. Attention à comment fixer les choses, quoi. Ouais, c'est subtil, quoi, il faut... Oui, il faut réfléchir à tout ça. Donc il y a des techniques aussi, d'isolation qui se tassent. Parce qu'on laisse des espaces vides qui vont se tasser. Et puis pour ce qui est de la charpente, donc aussi il y a une histoire de coulissement des chevrons qu'il faut réfléchir, voilà tout ça. Ok. C'est très compliqué. Et le toit, c'est un toit classique avec des tuiles ou c'est... Bon,
matériaux lourds pour mettre sur le toit, justement pour que les bois restent bien serrés les uns contre les autres. Il faut du poids sur cette maison. D'accord. Donc, tout ce qui joint là, les bois ensemble, il faut que ça reste bien fermé pour pas qu'il y ait des rentrées d'air. Donc plus on met du poids, que ce soit de la tuile, de la lauze, c'est de la pierre, de la lauze, ouais. Ce sera toujours mieux que si on met de la tôle en ondulée, quoi. Ok. Voilà. Même un toit en terre, c'est très bien aussi. D'accord. Alors Andrea, tu peux me dire ce que tu es en train d'installer là ? Okay. Donc là, je suis en train d'installer le linteau. Le linteau, c'est le bois qui va passer par-dessus les menuiseries et qui va sentir en même temps la maison. Les petits croisements de chaque extrémité vont être maintenus grâce au linteau. D'accord. Et donc là, l'arbre que tu mets là, il est au-dessus de la fenêtre, quoi. C'est ça. D'accord. Il y a les jambages et le linteau qui finit la menuiserie. Donc là, t'es en train de l'ajuster. Là, je suis en train d'équilibrer. Je mets mon bois, le linteau, je le mets parallèle avec les bois du dessous. D'accord. Pour que ce qu'on appelle l'entaille longue, la latérale, soit équilibrée, fasse la même largeur pour qu'il n'y ait pas de déperdition thermique. D'accord. Donc là, tu le places, après tu vas tracer avec ton compas. Hein, ouais, c'est ça. Et tu vas creuser, et après tu vas revenir l'emboîter par-dessus. Exactement, là je vais faire la pré-entaille, la préliminaire. D'accord. C'est une pré-entaille qui va faire en sorte de rapprocher mon bois du mur déjà construit, afin d'avoir une ouverture de compas plus petite, et grâce à l'ouverture plus petite, je serai plus précis pour tracer. D'accord. Ok. Voilà. Et après, tu me dis, donc là, ça sera le toit qui va venir après, là. Où tu mets encore un rang de fuste. Après ce bois, après ce linteau, on va poser la sablière. C'est le dernier bois qui reçoit les chevrons. D'accord. C'est le bois d'égout, on appelle ça. Ok. La sablière. D'accord. Donc, après cette sablière qui passera au-dessus du linteau, on va commencer à effectuer le pignon. Donc il n'y aura plus les bois qui se croisent, juste le pignon qui monte en triangle. Et on va devoir cheviller les bois pour qu'ils se maintiennent en place et pour pas qu'ils chutent.
Isaac, les pièces que tu es en train de préparer là, elles sont censées accueillir les pièces du chalet, c'est ça? On appelle ça les bases. Donc, le premier tour de la maison, on appelle ça les bases. Il y aura un plat dessous qui va poser sur la relevée de maçonnerie. D'accord. Et à partir de là, après nous, c'est là qu'on enchaîne à continuer les tours avec les bois rondes. Donc ça fait partie de la maison ce que tu es en train de faire là. C'est le premier bois. D'accord, c'est le premier rang on va dire. C'est le premier rang de la maison, c'est ça. Ok. Tu peux me dire ce que tu fais actuellement là? Alors là, je suis en train de faire une table style pique-nique parce que je commence tout juste le fus, donc c'est un bon entraînement avant de tailler une vraie maison. D'accord, t'es une apprentie fustière, on dit comme ça? On dit comme ça, oui, j'ai commencé il y a une semaine, donc je suis vraiment apprentie. Et tu es d'ici, du Haut-Jura? Alors non, je viens du Gers. Donc j'ai traversé une bonne partie de la France pour venir apprendre la technique du fuste. Et tu veux faire des chalets dans ton pays? Ou je sais pas? Peut-être je vais m'en faire une petite maison à moi. Et après, s'il faut en faire partout. Là où il faut, peu importe. Tu veux en faire ton métier, quoi? Oui. D'accord. Oui, ça c'est sûr. Donc, t'es pas loin des Landes là-bas. Donc, tu vas faire des chalets en pin des Landes, tu sais pas? Alors, je ne sais pas du tout. Pour l'instant, je vais rester dans le Haut-Jura, me former et après, on verra par la suite.
Alors, ça fait quelques semaines que je vous suis en train de monter deux chalets. Donc, David et Joséphine, vous êtes en train de faire celui qui est derrière vous, là. Exactement. Vous pouvez me dire un peu, me rappeler un peu en quoi il est fait, puis pour il doit aller où. Vas-y, David, je t'écoute. C'est un chalet en épicéa qui part dans les Pyrénées, celui-ci. D'accord. Et là, tu arrives au bout ? Tu restes encore... Oui, bon, on arrive au bout du Boiron, là. D'accord. Donc, tu penses que tu en as encore pour combien de temps, là, pour... Encore 15 jours. Ok. Et c'est toi qui vas partir le monter dans les Pyrénées ? Oui, moi, puis là, Joséphine, et puis encore un homologue, encore deux autres. On sera quatre. Ok. Alors, dans le deuxième atelier, il y a Jacques, Grégoire et Andrea qui sont en train de finir le chalet en Douglas. Vous pouvez me dire où vous en êtes. Et puis, pareil, où est-ce qu'il est censé partir, celui-là ? Je crois Grégoire, vas-y. Mais du coup, on est à la pause du fêtage et il est censé partir en Alsace, si je ne fais pas de bêtises. Bon, qu'on me reprenne. D'accord, donc c'est vous trois qui allez le monter là-bas aussi ? Sûrement, avec un quatrième, le Cruquier. D'accord. On va commencer par toi, Jacques. Comment tu es arrivé à être fustier dans le Haut-Jura, puisque là, on est dans le Haut-Jura à la Pesse. Ouais. Eh ben, en fait, j'ai fait une formation en charpente traditionnelle. Donc, on apprend à tailler du bois pour faire des maisons avec des fermes, des assemblages, hein, tenons mortaise, tout ça. Et à côté de ça, je travaillais dans une entreprise pendant ma formation. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est arrivé, qui était venu faire un stage ici, dans le Haut-Jura. Donc moi, j'étais à 70 km d'ici. Tu n'es pas d'ici, toi ? Tu n'es pas du coin ? Tu viens de quel endroit ? Je suis du Nord. D'accord. Voilà. Et donc, je suis arrivé, enfin, j'ai fait d'autres boulots avant. Hein, et puis quand je suis arrivé dans le bois, voilà, on m'a dit qu'il y a une place qui se libère. Et puis ma compagne, à l'époque, elle voulait voir des montagnes. Donc, d'accord. On est arrivé là. Et donc, ça fait combien de temps que tu bosses dans l'entreprise là ? Ça fait 17 ans. Ah ouais, donc ça fait un petit moment, quoi. Ouais, ouais. Et toi, Grégoire, alors ? Moi, je suis arrivé suite à mon bac pro, c'était ma troisième année de stage. Donc, je suis arrivé ici en cherchant une troisième entreprise et puis on avait visité l'entreprise avec mon école. Donc, tu me dis que tu as fait un bac pro, c'est quoi ? Technicien constructeur bois. Donc, TCB, c'est en charpente, ossature bois, système de construction. Et donc, on a visité la boîte avec l'école et puis j'ai postulé quand on a fait le changement d'école, enfin le changement d'entreprise, j'ai postulé ici et puis ils m'ont pris. Ok. Et c'était où que tu as fait ta formation là ? C'était à Mouchard, à l'Institut l'IEFCTF. Et toi, t'es d'ici ? T'es du coin ? Non, à la base, je suis de Coulommiers, en Seine-et-Marne. D'accord. Et ça fait combien 77. Ça fait combien de temps que tu es dans l'entreprise là ? Ça fait 7 ans du coup. Ok. Joséphine, bah toi, je t'ai déjà un petit peu cuisiné, donc je sais que tu es gersoise. Exactement. Et que tu... un bac pro en menuiserie, un BTS SCBH, oula. CAP en charpente. Ça veut dire quoi, ça, exactement Système constructif, bois et habitat. Ah, c'est comme ce que tu as fait. Dans les bureaux, non. On fait de la conception sur ordinateur, logiciel 3D, des calculs de structure, du dessin. D'accord. Et donc, et après, finalement, je suis partie sur le terrain. J'ai préféré passer mon CAP. Et au bout de 7 ans, non, au bout de 5 ans, je suis partie en Norvège. Et c'est là où, pour la première fois, j'ai fait du rondin. Et ça m'a plu. Et j'ai envie de recommencer, mais apprendre les techniques à la française. D'accord. Okay. D'où ton arrivée d'ici il y a peu sur la Pesse. Exactement. Ok. Andrea, toi alors ? Ok. Moi, tout petit, j'avais un père qui était ferronnier et artisan ferronnier serrurier. Du coup, tout petit, je commençais déjà à bricoler des aciers, du bois. Donc j'ai fait un bac pro ébénisterie. J'ai fait des meubles. Ensuite, j'ai fait une formation en lutherie pour faire des guitares, ukulélé, accordéon. Et sachant que c'était toujours pas assez concret pour moi, le travail du bois, je me suis dit, je peux fabriquer des maisons, mais des maisons authentiques. Avec l'esprit artisanal toujours. Alors j'ai fait un bac pro SCBH, comme Joséphine, système constructif habitat bois, pour arriver en apprentissage chez un constructeur de Boiron en Ardèche.
Suite à la fin de l'apprentissage, je suis venu ici à la Pessière, il y a 3 ans et demi maintenant. D'accord, que tu es dans l'entreprise. Voilà. Et toi, tu n'es pas au Jurassien non plus alors? Non, c'est Bourgogne, c'est Néloir. Et enfin, David, alors, tu peux nous dire qu'est-ce qui t'a amené à faire ce travail? Bon, bah, le plaisir de D'accord. Et tu es d'ici? Jurassien, à la base, mais d'accord. Jurassien. D'accord. Alors moi, je voulais un peu élargir un peu plus, aller plus loin que votre métier. Ça représente quoi, la forêt, pour vous? On bosse avec les... Ouais, c'est la matière première, c'est la forêt. On fait en sorte de trier aussi les bois qui arrivent ici, avoir une bonne qualité. Du coup, il y a d'autres gens avant nous qui nous donnent ces bois-là, qui les trient aussi pour nous. D'accord. Qui les choisissent aussi. Pour mon cas, en tout cas, ça me parle pas mal, surtout que quand on voit l'âge des bois qu'on travaille, surtout pour l'épicéa, ouais. On travaille des bois qui ont entre 80 et 120 ans, je pense qu'il faut qu'on respecte ça aussi. Quoi. Et puis, ouais, c'est la transformation aussi. Il y a une coupe faite par des bûcherons en forêt, les bois sont écorcés, ils arrivent ici, et nous façonnons la maison avec les bois bruts qui arrivent sans traitement, sans fioriture de transport. D'accord. Ça reste très simple et très sain. Jacques, non, toi, tu... non, ça t'inspire, la forêt, ou pas, bah, ou tu y vas pour d'autres raisons, hein, je sais pas. Dans la forêt, j'y vais pour plein de raisons, hein, pour admirer les arbres, ouais. Plein de choses. Hein, parce que vous habitez, enfin, je sais pas si vous habitez tous vers la Pesse ou dans les environs de la Pesse, mais c'est un endroit où il y a beaucoup de forêt, quoi, par ici. Donc vous y allez quoi, on va dire, un petit peu ou... C'est la recherche du sauvage, je crois, en fait. D'accord. Il y a très peu de monde qui habite dans ces montagnes, donc beaucoup d'espace libre. Et pour se promener, c'est... Camper, faire du vélo, pêcher. Ressources, oui. Ok. Et Joséphine, tu te sens pas trop seule là, au milieu de ces fustiers hommes? Tu connais d'autres filles qui font ce métier? Ou... Oui, j'en connais quelques-unes, oui. Donc il y a quand même des filles qui... Il y en a de plus en plus. Qui s'approchent de ces métiers-là. Fustier, je ne sais pas, mais en tout cas charpentier, oui, j'en connais. Ok, bah merci. Et puis à bientôt alors. À bientôt.